Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Isabelle de Léa Belle Nurserie, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je veux souhaiter une très bonne année 2022, en espérant qu'elle soit meilleure que les deux dernières, on va souhaiter. Ça peut pas être pire, hein? Je pense qu'on peut se dire ça. J'espère que vous avez passé des belles fêtes, j'espère que vous avez pu quand même en profiter un peu pour voir votre famille, les gens proches de vous. Pour ma part, on a pu fêter Noël en famille. On avait le droit cette année, donc on a pu fêter Noël en famille. Ça a fait du bien. Ça a été vraiment, vraiment bien. Ça a été fantastique. Les enfants étaient super contents aussi. Ça a été la dernière chance, je pense, qu'on va avoir pour un bout de temps de pouvoir se voir parce que là, maintenant, les mesures sont beaucoup plus restrictives. Donc, on a pu en profiter. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo non plus plus tôt que ça parce que j'étais pas mal occupée dans les préparatifs des fêtes aussi, puis ça a été quand même un peu épuisant, donc j'ai pris le temps de me reposer un petit peu. Là, pour aujourd'hui, ce que j'ai pensé faire, c'est une reprise du dernier vidéo que j'ai fait en anglais, mais je vais le refaire en français cette fois-là. Parce qu'on me l'a demandé, puis je pense que c'est quand même une bonne idée aussi de le refaire pour que vous puissiez voir un petit peu, comprendre un petit peu mieux ce que je faisais, ce que je disais. C'est simple, on va parler couleurs aujourd'hui. Je vais vous expliquer c'est quoi, en quoi ça consiste la peinture avec les couleurs primaires, la méthode avec les couleurs primaires. Je sens que pour beaucoup, c'est difficile un petit peu à intégrer ce concept-là. On a de la misère à comprendre comment les trois seules couleurs, on peut obtenir un teint de peau sans utiliser de rose ou de couleur peau. Donc, je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu mieux aussi avec les différents types de couleurs de rouge, de bleu et de jaune, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme couleurs différentes. L'avantage de cette méthode-là par rapport à celle avec la couleur peau, c'est qu'il n'y a pas de blanc utilisé. Puis le blanc, c'est une couleur que si on dilue pas comme il faut, si on utilise un petit peu trop, on va obtenir un teint crayeux un peu, cireux. On n'aura pas une belle transparence comme on peut obtenir juste avec les couleurs primaires. Puis c'est assez visible, celles qui ont utilisé le teint de peau, on le voit assez bien. Ça, vous voyez, c'en a un que j'ai fait avec les couleurs primaires. Comme vous voyez, c'est un teint de peau très naturel, transparent, plusieurs teintes, plusieurs couleurs à l'intérieur. J'ai utilisé aucune couleur peau pour obtenir ça. Donc, c'est tout à fait possible d'arriver à ce résultat-là. Excusez mes mains, hein, j'ai ouvert mes bouteilles puis ils ont coulé. Donc, oui, c'est possible. Ça sert à rien là, de vous obstiner à vouloir utiliser du rose à tout prix. Là. C'est pas nécessaire absolument pas. Ça peut être une bonne idée d'en utiliser un peu si on veut obtenir une couleur de blush particulière pour faire les lèvres, mais autrement, c'est pas une couleur dont on va avoir besoin. Le seul temps où je vais utiliser du blanc, moi, personnellement, c'est pour faire des lavis pour corriger la couleur d'un kit. Par exemple, un kit qui est trop orange, je vais faire un lavis de bleu avec un petit peu de blanc à l'intérieur pour le pâlir un peu. Ça va m'aider à corriger le kit, mais j'en utiliserai pas beaucoup. Je vais pas utiliser 50 couches là, parce que je vais obtenir cet aspect crayeux qu'on veut pas avoir. Donc, j'ai préparé mes trois premières couleurs, c'est avec les couleurs primaires. En fait, il y a juste le rouge, là. Le rouge, c'est rouge de pyrrole parce que j'ai pas trouvé le rouge primaire qui était disponible en peinture. Donc, j'utilise celui-là, le rouge pyrrole. J'ai, je vais faire attention, ma bouteille coule, le cyan primaire et puis le jaune primaire. Ces deux couleurs-là, le bleu et le jaune, ce ne sont pas ceux que j'utilise le plus pour mon reburning, mais ça peut vous donner des effets intéressants, puis vous allez voir ce que ça va faire comme différence. Donc, naturellement, on a du rouge. Là, je vais vous ramener un petit peu à vos cours d'art plastique, le primaire.
primaire, secondaire. Je ne sais pas si vous aviez ça, vous, en France. Au Québec, on apprend ça très tôt. Donc, on a notre bleu ici. Et puis, on a notre jaune. Donc, ça, ce sont nos couleurs primaires. Maintenant, ce qu'on veut, c'est obtenir des couleurs secondaires avec ces couleurs-là. Donc, en mélangeant du jaune avec un petit peu de rouge, on va obtenir un orange qui va être plus ou moins foncé selon la quantité de jaune ou de rouge qu'on va mettre. Si on mélange du bleu avec du rouge, vous savez ce que ça va vous donner? Ça va vous donner du mauve. Encore là, la teinte va varier selon qu'on utilise plus de bleu, plus de rouge. Et on va obtenir du vert si on mélange du bleu avec du jaune. On obtient du vert. Donc on a nos couleurs secondaires. Jusque-là, ça va. Maintenant, si on mélange ces trois couleurs-là ensemble, ou si on mélange du orange avec du bleu, par exemple. Donc, je vais me faire ça. Je vais me mélanger un orange avec un petit peu. J'ai mis le bleu avant l'orange, là. Mettons que je mélange mes trois couleurs, là. Ce que je vais obtenir, c'est un petit peu dur sur le papier. Vous allez voir, vous allez obtenir du brun. Si vous voyez là, bon, on va obtenir du brun. Puis le brun va changer de teinte aussi selon la quantité de couleur qu'on va mettre, si on met plus de jaune ou plus de rouge. Donc, si on mélange toutes ces couleurs-là ensemble, on obtient du brun. Puis la peau, ben c'est du brun. Finalement, c'est visuellement, c'est un type de brun qui va être très pâle, qui va être beige, très pâle, rosé, jusqu'à un brun foncé, très chocolat ou café, selon l'ethnicité. Donc, ce qu'on veut obtenir, c'est ce brun-là, si on veut, dépendant de l'ethnicité, mais on va l'obtenir en utilisant seulement les trois couleurs primaires. Quand je dis que seulement les trois couleurs primaires, il n'y a rien qui vous empêche de vous faire un orange ou d'acheter un orange puis de l'utiliser tel quel, ou encore un violet, d'utiliser un violet commercial. J'en ai un, moi, dioxine purple, pourpre. Je l'utilise à l'occasion. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à utiliser un vert que vous allez avoir acheté aussi. C'est tout des couleurs secondaires, puis on peut les utiliser pour obtenir le teint de peau qu'on souhaite. Donc, pour peindre un reborn, on n'a pas besoin d'utiliser plus que ces couleurs-là. On a toutes les couleurs du spectre seulement qu'avec les trois couleurs primaires. Selon la quantité de bleu, la quantité de rouge ou de jaune qu'on va utiliser, on va obtenir un brun différent au bout du compte. Il faut tenir en compte aussi que notre kit a déjà une couleur de base. Une couleur ne vient pas blanc-blanc comme une feuille. Il est déjà rosé ou orangé quand on le reçoit. Donc, cette couleur-là va rester apparente à travers le kit, à travers les couches de peinture qu'on va utiliser. Parce qu'en reborning, on va utiliser des couches de peinture extrêmement fines, extrêmement diluées. Donc, la couleur du kit va ressortir quand même à travers ça, puis on va obtenir comme ça notre teint de peau. Si on a un kit très, très orangé, par exemple, on va utiliser beaucoup moins de jaune. On va utiliser surtout du rouge et du bleu pour contrebalancer le jaune qu'il y a dans le kit déjà. Si on a un kit très pâle, très neutre, on va utiliser les trois couleurs à peu près de façon égale. Si on a un kit vraiment trop rosé, on va utiliser un peu plus de jaune et de rouge que de bleu. On va vraiment s'ajuster selon la couleur de notre kit.
puis selon le résultat aussi qu'on s'en va. Ça arrive après plusieurs couches de couleurs primaires, on se rend compte que notre kit s'en vient vraiment trop rouge. On va se corriger, on va utiliser moins de rouge ou pas du tout de rouge pour les prochaines couches. On va utiliser seulement du bleu et du jaune pour essayer de le ramener un petit peu. C'est comme ça qu'on va jouer avec nos couleurs primaires. La méthode primaire, c'est pas uniquement des couches de rouge, jaune et bleu alternées constamment. On va jouer avec ça. On peut faire deux couches de bleu en ligne, on peut faire trois couches de rouge en ligne. Il n'y a pas de règle. C'est vraiment nous, selon le résultat qu'on souhaite, puis selon le stade où on est rendu, qu'on va jouer avec ces couleurs-là. Le mottling vient jouer aussi beaucoup sur l'obtention du teint. Puis le mottling, souvent, on va le faire justement avec les couleurs secondaires. On va utiliser un petit peu plus ces couleurs-là pour obtenir un beau mottling. Si on va avec différents types de bleu, de jaune et de rouge, vous allez voir que ça va nous donner d'autres types de couleurs. Si je vais avec mon jaune, par exemple, j'ai ici le jaune dialyde, j'ai le rouge cadmium, puis j'ai un bleu d'outre-mer. Si j'utilise ça, je vais avoir un autre type de vert. Va être un petit peu plus foncé, un petit peu plus comme un vert de vessie. J'aime beaucoup, beaucoup ce vert-là pour mon teint de peau. J'ai acheté le vert de vessie juste parce que des fois, c'est plus pratique que de mélanger nos couleurs. Là. Je dois l'avoir ici. Voilà, le vert de vessie. C'est très, très semblable à ce vert-là. Puis ça me donne un très, très beau glow à la peau, une belle brillance à la peau. J'aime beaucoup, beaucoup. Maintenant, si on veut faire un violet avec ces couleurs-là, mon rouge, je vais vous montrer mon rouge tout seul, à quoi il ressemble. Si on veut faire un violet, on va obtenir un violet complètement différent. C'est un très beau violet pour les mottelings, très beau violet pour les paupières aussi. Puis selon qu'on met plus de bleu ou plus de rouge, on va obtenir des résultats différents. Même chose si on veut faire du orange. Mon orange va être différent. Va être différent un petit peu de celui-là. Pas de beaucoup par contre, mais quand même, il y a une différence. Donc, à chaque différents types de bleu ou de rouge que vous utilisez, vous allez obtenir des couleurs différentes. Par exemple, ici, j'ai un bleu phtalo, teinte de vert. On va l'essayer. Qu'est-ce que ça donne pour voir, mélanger avec nos couleurs. Je m'en sers tellement souvent, il a séché dans le pot. Il a séché dans mon pot. Une fois, je nettoie mes pots. Je vais rajouter juste un petit peu d'eau. En passant, j'ai juste rajouté d'eau là. Dans ma peinture, j'ai pas rajouté de médium du tout là. Donc, on va le mélanger un petit peu. Ça, c'est un vert que je vais utiliser par. J'utilisais plutôt, parce que maintenant, j'utilise plus le crayon, mais j'utilisais ce bleu-là pour mes veines. Je trouvais que j'avais même pas besoin de mettre de vert dedans, puis ça me donnait une superbe couleur pour mes veines. Donc, si j'utilise ça avec mon jaune dialyde, par exemple. Mes couleurs sèchent avant que j'aie le temps de les mélanger. Là. J'obtiens un vert forêt, un vert vraiment plus foncé, qui est un très beau vert aussi. Il peut être utilisé, par exemple, pour un mottling. Si j'utilise ce bleu-là avec mon rouge cadmium, ça me donne un violet plutôt foncé. Donc, c'est vraiment en jouant avec ces couleurs-là qu'on détermine un petit peu les différentes teintes qu'on peut vouloir mettre sur notre kit. Par exemple, pour les creases, on va vouloir un rouge brunâtre. Je vais utiliser un petit peu de rouge. Je vais utiliser un petit peu de bleu
vous faire un peu un mauve, puis j'aime rajouter une touche de jaune un petit peu dedans. J'aime faire un brun foncé qui tire un petit peu sur le violet. Vous voyez pas là? Ça tire un petit peu sur le violet. Je peux utiliser ça pour mes creases, ça me donne un beau résultat. Je peux utiliser aussi ce violet-là pour les paupières. Ça donne un très très beau résultat. Si vous voulez des creases un petit peu plus rosées, ben vous rajoutez un petit peu plus de rouge dans votre mélange. Pour le blush, moi je vais utiliser un peu le même principe. Je vais utiliser du rouge avec une petite touche de bleu pour me faire un petit rosé violet. Ça, ça peut faire un beau blush. Si vous voulez vous faire un rouge sang, à ce moment-là, ça va être du rouge avec du brun. C'est-à-dire que vous allez mélanger vos trois couleurs primaires jusqu'à obtenir un brun plus ou moins foncé. Je commence à manquer de couleurs dans mon... Puis une fois que vous allez avoir votre brun, vous allez prendre un petit peu de brun, vous allez le mettre avec votre rouge. Puis vous allez avoir un rouge sang. Pas si vous voyez, j'ai plus beaucoup de couleurs dans ma palette. Mais j'ai un rouge foncé, là. Si je mets un petit peu de mon brun dedans, là. Puis là, j'ai un rouge sang. Excellent pour le blushing, pour les lèvres ou pour le mottling. Si vous ne voulez pas mélanger du brun, achetez-vous du brun. Moi, j'utilise terre d'ombre naturelle ou terre d'ombre brûlée. Terre de sienne moins, mais terre d'ombre brûlée ou terre d'ombre naturelle, c'est un très beau brun qu'on peut ajouter à nos couleurs aussi. Les couleurs primaires, la méthode des couleurs primaires se limite pas nécessairement. Il y en a des puristes, là, mais je dirais en général, ça se limite pas nécessairement à utiliser uniquement le rouge, le bleu et le jaune individuel. On va vraiment beaucoup jouer avec les mélanges des couleurs. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous n'en avez pas fait souvent, des mélanges de couleurs, comme je vous ai dit, il n'y a absolument rien qui vous empêche d'acheter les couleurs déjà faites, de vous acheter un orange, un vert et un violet, ou différentes teintes de violet, etc. Et puis de les essayer, de jouer avec ces couleurs-là. Ce qui fait la différence entre les couleurs primaires et les techniques traditionnelles, c'est vraiment l'utilisation du blanc. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser de blanc dans nos couleurs. On va utiliser des pigments seulement. Peu importe le type, vous pouvez utiliser Alizarin Crimson, qui est un rouge un peu plus rosé. Il y a des couleurs là, oxyde, comme l'oxyde violet, qui est un petit peu plus orangé. Bref, vous pouvez acheter ces couleurs-là directement, puis vous amuser avec. Ça ne vient pas briser, si on veut, la méthode, c'est pas tricher ni rien de ça. Il n'y a pas de triche là en reburning. On fait ce qu'on veut, c'est de l'or, hein? Fait qu'on y va selon nos goûts. Donc, n'hésitez pas à vous acheter déjà ces couleurs-là si vous le souhaitez. Ça peut vous donner un coup de main. Sinon, si vous êtes un peu plus comme moi, puis ça vous embête pas du tout de mélanger vos couleurs selon vos goûts personnels, allez-y, achetez-vous deux ou trois sortes de bleu, de rouge ou de jaune différents, puis faites des mélanges avec ça, puis amusez-vous, trouvez les bonnes teintes. Puis vous allez voir, votre burning va s'améliorer beaucoup. Vous allez voir beaucoup d'amélioration dans la profondeur de votre teint. Vous allez utiliser des couleurs différentes pour faire votre mottling, par exemple. Puis vous allez voir, ça va ressortir, ça va être joli. Vous allez pouvoir jouer aussi avec les teints, différents types de teints, plus pêche, plus fraise, là, plus rosé, plus olive un peu, en jouant avec les différents types de bleu, de rouge. Vous allez voir, ça va vous donner une autre dimension. C'est comme ça aussi qu'on s'améliore, là, puis qu'on devient meilleur. Puis il n'y a rien qui vous empêche de faire carrément un lavis d'orange ou un lavis de rose ou de mauve. Un lavis de vert, comme je dis, j'utilise souvent le vert de vessie. Puis vous allez voir, votre teint de peau va s'améliorer grandement avec ça. Donc j'espère que c'est clair comme ça. J'espère que ça vous a donné un petit coup de pouce un peu pour mieux comprendre la méthode.
C'est sûr que si vous tenez absolument à utiliser le teint de peau qu'on vend déjà préfait, là, comme je sais que Reborn FX le font, Genesis le fait aussi. Là. Il y a plusieurs marques de peinture pour Reborn qui le font. J'en ai ici de Reborn FX. Si vous tenez vraiment à utiliser ça, allez-y mollo. Diluez comme il faut, puis utilisez-en pas trop. Vous pouvez bâtir la majorité de votre teint avec les couleurs primaires, puis faire deux ou trois couches de couleur peau par la suite si vous y tenez absolument, même si c'est pas vraiment nécessaire. Puis naturellement, moi, je peux pas vous aider avec ça, là, si vous me dites quel type de couleur peau je peux mettre pour obtenir telle affaire, je sais pas. J'en ai aucune idée, je les ai jamais utilisées. Moi, j'ai commencé directement avec les couleurs primaires, donc je peux pas trop vous aider là-dessus. Donc, voilà, maintenant, juste une petite note comme ça en terminant. Vous savez que ça me fait vraiment toujours plaisir de pouvoir vous aider. Si vous avez des questions, vous êtes embêté, vous arrivez dans un cul-de-sac, vous savez pas trop quoi faire. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous aider à trouver des solutions. Puis, comme c'est quelque chose que je me sens aussi un peu tenue de faire, étant donné que je fais des tutoriels, donc je me sens un peu aussi tenue de vous guider, là. J'apprécierais vraiment beaucoup si vous absteniez de me demander mon aide dans des moments comme le jour de l'an ou Noël ou des fêtes comme ça, ou encore le dimanche. C'est des journées que je réserve à ma famille, des journées que je réserve à faire autre chose que du reborning, même si c'est ma passion, je fais quand même autre chose dans ma vie. Parce que je me sens obligée de vous répondre. Puis ça me prend du temps, puis ça me prend, faut que je sois dans le bon état d'esprit aussi pour ça. Puis ça vient briser un petit peu ma journée de vacances avec ma famille là. Puis je veux pas non plus laisser sans réponse parce que vous allez penser que ça me prend 3 jours pour vous répondre, que je me préoccupe pas de vous non plus. C'est pas ce que je souhaite. Ça me met mal à l'aise. J'aime pas ça laisser les messages non répondus. Donc, c'est vraiment quelque chose. Je pensais que c'était quelque chose de très naturel, puis que les gens, ça allait de soi, là, que, genre, au jour de l'an ou à Noël, on contacte pas des artistes ou des commerçants, là. Ça a l'air que non. Donc, j'ai vraiment, ça me fait plaisir de vous aider, mais essayez de garder en tête que j'ai quand même une vie privée en dehors de mes vidéos puis de mon reborning, puis c'est quelque chose que je tiens pas nécessairement à faire, là, lire un paquet de textes puis de répondre à tout le monde, là. Juste un à l'occasion, c'est pas si pire, là, mais quand j'en ai 4 ou 5 là, qui me contactent là, au jour de l'an pour me demander des conseils, je suis pas tellement dans le mood là, pour vous répondre. Donc, essayez de comprendre aussi que j'aimerais garder ces périodes-là pour moi et pour ma famille. Donc, vous pouvez me contacter n'importe quelle autre journée de l'année, ça va être correct. Le dimanche aussi, tu sais, c'est une journée en famille, c'est une journée de repos. Donc, si vous pouviez juste garder ça en tête peut-être, puis garder votre question pour le lendemain, là, ça va me faire vraiment plaisir à ce moment-là. Vous allez avoir toute mon attention. Donc c'est ça que je tenais à vous dire. Je vous chicane pas, là, c'est juste je veux juste que les choses soient claires aussi. Puis ça arrive que vous me contactez sans y penser à cette journée-là. Ça se peut que je vous réponde pas, là, que j'attende le lendemain ou sur le lendemain pour vous contacter. Là-dessus, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire le prochain vidéo. Je voulais terminer le tutoriel de mon prématuré, mais il a fallu que je strip, que je recommence à zéro, puis je suis pas encore rendu tout à fait au teint de peau final, là, donc on va prendre un petit peu de temps pour ça, mais un petit peu découragé. Donc je verrai ce que je vais faire. J'ai pensé, c'est possible que bientôt j'ai une deuxième chaîne, pas pour faire anglais, français, différentes chaînes, mais plutôt pour une chaîne où ce que je vais faire uniquement des discussions, jaser sur différents sujets, relatifs ou non au Reborn. Juste parce que j'ai remarqué que c'est pas quelque chose qui intéresse énormément les gens sur ma chaîne ici, parce que souvent vous êtes pas des collectionneurs, vous êtes surtout des artistes, donc la plupart des sujets que j'aborde, c'est pas nécessairement intéressant pour tout le monde, là. Mais donc c'est ça, c'est possible que vous voyez apparaître une deuxième chaîne avec mon nom d'ici peu. Ça, je pense que c'est dans mes projets pour la prochaine année.
Donc, c'est ça. Je vous souhaite une très très belle journée, puis une bonne semaine, puis on va se revoir très très bientôt. Au revoir!